défis des peuples du monde. Nous devons dialoguer davantage afin de faire front commun contre ces nouvelles menaces. À l'occasion de cette session, nous allons débattre prioritairement des problématiques concernant la démographie, les inégalités de genre, l'économie bleue, les effets des changements climatiques. Toutes ces questions concernent Haïti au premier chef et nous avons hâte de discuter avec vous pour enrichir notre réflexion sur les solutions à adopter dans l'élaboration de nos politiques publiques. Je ne veux pas trop anticiper sur les débats qui vont commencer, mais permettez-moi tout de même de faire quelques remarques. S'agissant de la démographie, j'aimerais mettre l'accent sur le bonus démographique que représente pour les pays du Sud la jeunesse de la majorité de nos populations, alors que l'Europe fait face au vieillissement de la sienne. Le déséquilibre économique entre les deux groupes de pays, l'exploitation depuis de trop nombreuses années des richesses du Sud par les pays du Nord, des termes de l'échange qui sont restés inégaux, ont contribué à créer une situation économique qui n'offre aucune perspective d'avenir à nos jeunes dans leur propre pays. Ils sont forcés de braver tous les dangers et de subir toutes sortes d'humiliations pour tenter leur chance dans les pays du Nord. Certains pays européens ont choisi de verrouiller leurs frontières et de se replier sur eux-mêmes, tandis que d'autres ont compris le profit qu'ils pourraient tirer d'un transfert démographique potentiellement enrichissant pour les deux zones. Je ne saurais passer sous silence ce qui se passe en Libye. Je veux parler des crimes contre l'humanité qui se commettent chaque jour avec la reprise d'un ignoble trafic d'esclaves et dont sont victimes nos frères africains. Ceci est particulièrement révoltant pour nous, Haïtiens, qui sommes restés très sensibles et concernés par la question esclavagiste et qui avons mené aux Nations Unies la bataille pour la reconnaissance de l'indépendance de la Libye. Nous devons investir davantage dans l'éducation et la formation de nos jeunes en leur facilitant l'accès aux formations professionnelles, aux formations techniques et aux formations universitaires. Nos pays ont un potentiel de croissance considérable. Nous avons besoin de gens formés, inventifs, entreprenants, qui seront demain un puissant moteur pour la croissance économique. Démographiquement, les femmes sont majoritaires dans nos populations. Elles doivent pouvoir s'émanciper. Elles doivent pouvoir se prendre en charge et avoir toutes leurs chances de prendre part au développement de nos pays. En Haïti, elles jouent un rôle déterminant dans tous les segments de la société. Malheureusement, elles sont sous-représentées dans les postes de direction et dans les sphères du pouvoir. Nous devons consentir un effort particulier, messieurs, et prendre des mesures volontaristes pour leur donner toute la place qui leur revient dans nos parlements respectifs. Pour ce qui concerne l'économie bleue, Haïti s'y intéresse au plus haut point. Avec plus de 1500 km de côte, nous avons un potentiel non négligeable qui n'attend qu'à être mis en valeur. Actuellement, nous sommes victimes d'une exploitation abusive, d'une exploitation illégale de nos ressources halieutiques. Chaque jour, de nombreux navires battant pavillon des pays non membres de la CPUE viennent piller sans contrôle d'énormes quantités de poissons dans nos mers, menaçant ainsi la reproduction de la plupart des espèces. Il nous faut renforcer le soutien à nos pêcheurs en les accompagnant dans l'acquisition de bateaux modernes, leur permettant d'aller en haute mer pour mieux exploiter les ressources maritimes. Ceci va de pair avec un renforcement des capacités de la marine haïtienne à mettre en place des stratégies de défense de nos espaces maritimes. C'est dans ces conditions que nous pourrons véritablement mettre en œuvre l'économie bleue et en bénéficier réellement. En ce qui a trait au changement climatique, les diagnostics quant à leurs effets néfastes sur l'écosystème terrestre ont été effectués et presque unanimement validés. Les pays du Sud qui n'ont pas contribué à l'industrialisation polluante doivent payer aujourd'hui un lourd tribut, sécheresse prolongée,
ouragans dévastateurs, de nouvelles maladies. Dans la Caraïbe en particulier, nous constatons régulièrement les conséquences du réchauffement de la planète. Avec l'augmentation du niveau des océans, nous allons assister à des mouvements de réfugiés climatiques. Les climato-sceptiques des pays émetteurs vont devoir respecter leur engagement sur la diminution des gaz à effet de serre et contribuer proportionnellement au financement de la mise en œuvre des politiques d'adaptation. Toutes les thématiques qui seront examinées sont très pertinentes et importantes pour les deux groupes des pays liés par l'accord de Cotonou. J'espère que les réflexions produites seront porteuses de changements durables. Je souhaite à vous tous, chers collègues, qui nous avez fait l'honneur et le plaisir de venir dans notre beau pays, un excellent séjour et un forum fructueux. Je sais que votre agenda de travail est très chargé, mais je vous invite quand même à créer un peu de temps pour découvrir les charmes de notre culture, de nos chansons, de notre art et de notre cuisine. Je vous souhaite bon travail et je vous remercie. Alors, vous me permettrez en tout premier lieu de souhaiter la bienvenue à Haïti à tous ceux d'entre vous qui viennent d'ailleurs pour la 34e session plénière de l'Assemblée parlementaire paritaire ACPUE. Je suis heureuse que cette session confirme dans la durée le retour du principe habituel d'alternance annuelle entre une session du premier semestre organisée dans un pays européen et une session du second semestre tenue dans un pays ACP. Je dois vous transmettre les vifs regrets de Louis Michel de ne pouvoir être présent à cette session. Des soins, je vous rassure, rien de grave, qu'il devait recevoir sans tarder, l'ont retenu en Europe et il tenait donc à vous présenter ses excuses pour cette absence indépendante de sa volonté. Je tiens aussi naturellement à remercier sans plus tarder les autorités haïtiennes pour la volonté qu'elles ont exprimée d'organiser la présente session et pour l'accueil qu'elles nous ont réservé. Nous sommes tous conscients, je pense, des terribles épreuves par lesquelles Haïti est passée au cours des années récentes, épreuves dont les traces ne sont encore que trop présentes. Les efforts qui ont été faits pour que nous soyons tous réunis ici aujourd'hui n'en sont que plus méritoires. Je souhaite profiter de la présence éminente parmi nous du président de la République, Jovenel Moïse, pour lui exprimer toute notre reconnaissance envers les institutions et le peuple qu'il représente. L'implication de tous dans la réussite de notre rencontre nous touche tout particulièrement. Je voudrais également remercier pour leur présence les orateurs de haut niveau qui prendront la parole au cours de nos travaux et qui ont accepté de partager avec nous leur expérience et leurs connaissances sur des sujets que nous jugeons d'un intérêt majeur. Mesdames et messieurs, chers amis, nos travaux, à travers les thèmes retenus pour l'ordre du jour de cette session, seront le reflet des crises, des soubresauts et des défis, mais aussi des espoirs qu'affronte, que subit et que porte le monde dans lequel nous vivons. Vous me permettrez d'évoquer ici plus particulièrement certains d'entre eux. Le premier qui me touche, c'est améliorer la résilience face au changement climatique et aux catastrophes naturelles dans les pays ACP. Ce sujet va malheureusement prendre de l'ampleur au cours des années à venir, car la multiplication d'événements catastrophiques qui peuvent réduire à néant des années de développement et d'investissement s'observe d'ores et déjà partout dans le monde du fait de l'intensification des facteurs à l'origine des risques climatiques et de catastrophes. Sur la dernière décennie, les catastrophes climatiques ont été près de deux fois plus nombreuses que dans les années 80. Le changement climatique menace ainsi d'aggraver les événements climatiques extrêmes tels que la sécheresse, les inondations, les tempêtes et les vagues de chaleur. Beaucoup peut être fait pour corriger le tir, mais l'immensité du défi à relever fait qu'on ne supprimera pas toutes les catastrophes naturelles. En tout cas, il faudrait supprimer les climato-sceptiques. Aussi est-il de notre devoir de tout mettre en œuvre pour atténuer les conséquences des fléaux naturels pour les populations touchées et les aider à reconstruire et à se reconstruire en favorisant leur capacité de résilience, c'est-à-dire cette capacité des individus, des communautés
et des systèmes dont ils dépendent à résister, à absorber, faire face et s'adapter lorsqu'ils sont exposés à un aléa ou à un ensemble d'aléas. L'année 2015 a été une année historique pour l'action mondiale sur la résilience, avec notamment l'adoption du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, qui guidera la communauté mondiale dans ses efforts de gestion de ces risques jusqu'en 2030. Au nombre des événements marquants de 2015 ont bien sûr figuré l'accord de Paris, la COP21 sur le climat, dont nous continuons d'espérer que tous les pays l'appliqueront, et l'introduction des objectifs de développement durable. En 2016, d'autres débats internationaux de premier plan ont eu lieu autour de l'agenda de la résilience, en particulier le sommet humanitaire mondial et la conférence. And the blue economy. This is an issue of special importance for countries in the Caribbean, such as Haiti. Oceans, which are critical to the ecological and climatic balance of our planet, will be discussed in the context of opportunities and challenges offered by the appropriate utilization of ocean resources. The same concern about natural resources motivated our thinking to discuss sustainable tourism. The Committee on Political Affairs will present a report on challenges in the security development nexus in ACP and EU policies. Development and peace are closely linked. Indeed, real sustainable development can only be achieved in an environment of peace, stability, security, and solidarity. Mr. President, honorable members, as I end, I wish to take this opportunity to congratulate those ACP states that held successful legislative and presidential elections this year. Electoral cycles are a fundamental feature of democracy. However, I must hasten to add that elections should not be seen as an end in themselves, but as part of a wider process of institutional building, strengthening that promotes effective political participation, good governance, and respect for human rights. These are our only refuge against tyranny and oppression from which our people have already suffered enough. Mr. President, Prime Minister, honorable members. L'heure a sonné pour que la communauté internationale commence à comprendre que la Caraïbe n'est pas responsable des effets climatiques qu'elle subit aujourd'hui. Nous avons besoin d'une couverture d'assurance qui peut couvrir les catastrophes naturelles au niveau des pays de la Caraïbe. Ce sera l'un de mes sujets lors de la présidence d'Haïti, de la présidence tournante d'Haïti à la tête de la CARICOM. La République d'Haïti attache la plus grande importance à ces thèmes qui sont tous au centre des actions et interventions de mon administration. Je suis convaincu que l'insertion de l'économie haïtienne dans l'économie régionale et mondiale peut constituer l'un des leviers du développement national. C'est pourquoi nous ferons tout ce qui est de nos possibilités pour permettre au pays d'harmoniser ses tarifs douaniers et de respecter tous ses engagements régionaux et internationaux en matière commerciale, tout en travaillant sans relâche au relèvement de la production nationale, à l'augmentation de l'offre exportable et à l'amélioration de la qualité et de la compétitivité de nos produits. Le dépôt au Parlement par l'exécutif de l'accord de partenariat économique liant Haïti à l'Union européenne aux fins de ratification participe de cette stratégie. Et comme le président du Sénat vient de le dire, il y a de petits problèmes à résoudre à l'intérieur de ce texte de loi. En ce qui concerne le changement climatique et les catastrophes naturelles, Haïti est parmi les pays les plus vulnérables et les plus exposés aux conséquences néfastes de ces phénomènes. En sus des phénomènes sismiques
qui entravent sévèrement ses possibilités de croissance économique et de réalisation des objectifs de développement durable. C'est ce qui explique, entre autres, ma participation à toutes les initiatives internationales et régionales visant la réduction de la vulnérabilité et le renforcement de la résilience des pays aux catastrophes naturelles, l'adaptation au changement climatique et la mitigation des effets de ce phénomène sur les pays, notamment les pays insulaires comme Haïti. L'engagement que nous avons pris dans cette optique, particulièrement dans le cadre du sommet sur le climat tenu récemment à Paris, va être étendu et soutenu au niveau régional. Par exemple, au sein de la CARICOM, dont Haïti assurait la présidence tournante à partir du 1er janvier 2018. C'est pour moi l'occasion, mesdames, messieurs, les parlementaires ACPUE, de vous féliciter pour les résolutions prises au cours de vos assises précédentes en vue de répondre aux attentes de nos populations, mais aussi de donner une impulsion nouvelle à nos efforts pour faire face aux défis et enjeux liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles. Dans cette même optique, je tiens particulièrement à remercier cette auguste assemblée pour avoir adopté une résolution d'urgence en faveur d'Haïti suite au passage de l'ouragan Matthew en octobre 2016. L'équité de genre et la lutte contre les inégalités économiques et sociales occupent également une bonne place dans la politique globale de mon administration. Messieurs, co-présidents, honorables parlementaires, je sais que vous avez des groupes et des commissions thématiques qui traitent les questions structurelles et les faits de conjoncture en profondeur. Je crois que ces travaux, par-delà leur aspect technique et politique, contribueront à forger une opinion publique éclairée, nécessaire à la vitalité du régime démocratique. D'ores et déjà, je vous remercie pour les réflexions de haut niveau que vous allez faire sur les points constituant le menu de la 34e Assemblée parlementaire ACPUE, ainsi que les décisions que vous allez adopter. Je demeure convaincu que la participation de toutes ces personnalités politiques venant d'horizons divers et mandatés par leur population vont travailler pour renforcer davantage les liens de coopération, solidifier les liens que l'histoire, la géographie, les échanges et la culture ont tissés entre nos peuples. Je vous promets qu'Haïti ne ratera jamais une occasion pour travailler inlassablement dans les plateformes et les assemblées internationales dans lesquelles les questions de développement et des problèmes qui menacent l'avenir de notre planète seront discutés. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon travail et de fructueux échanges sur les différents thèmes de l'agenda de la session. Sur ce, je déclare ouvert la 34e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACPUE et souhaite plein succès à vos assises. Je vous remercie.